Bonjour, alors ici nous sommes en plein Trièves, à côté de Saint-Beauvais, sur un joli chemin. Au fond, vous avez le Mont-Aiguille. Et juste en face, les deux sœurs qui apparaissent. Et nous allons ensemble visiter ce magnifique Trièves. Au fond, vous voyez apparaître le Cinépi qui est au-dessus du lac de Monténard. Juste à droite, en glissant, il y a la mûre qu'on ne voit pas d'ici. Et là, vous avez l'Alpe du Grand Cerf, légèrement à gauche, là. Au milieu, le Piquet de Nantes. Le Piquet de Nantes qui va vers le Thabor à l'arrière. Ensuite, vous avez toutes les montagnes qui sont vers la vallée qui va à La Morte et à Valjouffrais et Valbonnet. Ensuite, et ben là, juste devant, on ne le voit pas, mais il y a Mins. Et ici, nous arrivons vers donc tout ce qui est le Dévoluy avec le bonnet de Calvin et le massif de l'Aubiou qui est magnifique. Voilà, l'Aubiou dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre. Il y a un petit peu de neige. Et nous allons vers le Grand Ferrand. Avec Trémini qui est à son pied, qui est un joli petit village du Trièves, qu'on ne voit pas. Qui est à l'arrière de cette petite butte vert foncé, qui est en dessous, juste en dessous du Grand Ferrand. Et au pied de laquelle, de l'autre côté, vous trouverez une source ferrugineuse, qui est très jolie. Avec aussi un parcours très très beau, le parcours de la rando des peintres, rando croquis, qui a été proposé par un collectif de Trémini et par la mairie, et un vraiment très très beau parcours, très facile à pied et en famille. Le Ménil, donc, qui est ce joli mont en pyramide, en forme pyramidale. Et puis là, eh bien, on va vers l'Allais. Joli petit village avec Saint-Maurice en Trièves. Et je vous dis à bientôt. En espérant qu'en juin, je puisse vous inviter à un salon du livre que je suis en train d'organiser et dont je vous ferai part dans les journaux locaux. Au revoir, à bientôt.